Amerike fè pati nasyon ki deplase an pil nan mond lan. Swa yo se humaniter, soldat, jounalist, religye, turist, tout kategori. Men gen de peyi yo ale ki se peyi a risk. An tan nou, nenpòt bagay ka rive. Li pa an sekre pou mond lan, nan dat ki te 16 Oktob 2021, yo kidnape 17 misyoner an Haiti, 16 Ameriken ak yon Kanadyen. Mese yo mande 17 milyon dolar pou yo libere yo. Yon milyon pa tèt. Jiska prezan, poko gen an yen kler ki di sou dosye otaj yo. Ti kesyon nou ka pose, eske se premier fwa ya pren Ameriken an otaj nan mond lan? Non. E ki komportman Etazini kon genye nan jan de situasyon difisil za yo? Nou bal wè sa. Men pou nou kompren li, si ya kek ekzamp lot Ameriken yo kidnape nan lot peyi nan mond lan, nou bral servi. Fòk mwen di nou, sa arrive an pil fwa yo kidnap Ameriken yo mouri. Map jist pren 5 a 6 ka an di sak plus mediatize yo pou nou ka wè ki jan sa fèt. Nan zave kidnapin, Ameriken yo gen politik ki diferan pa apwa kan pil lot peyi nan mond lan. Gouvernement Ameriken an di, pa gen tete kon sa. Yo pa pe ranson pou libere Ameriken yo meti an otaj. Yo pa prentre nan logik, pren l'ajan Ameriken pou enrichi goup ki ame. Yo di la yo bay l'ajan, se goup rebel la yo bay plus mwayen pou l'vin pi fo. Ki donk, ou pren yo Ameriken, li pi fasil pou yo mette kout zam sou ou pou yo libere l. Barack Obama te menm reproche la France ki te vle peye l'ajan pou libere David Haines, yo te kidnappe en 2014 nan peyi Syrie. Se de peyi nan mod nan ki gen politik pa peye pou otaj, se Etats-Unis ak Royaume-Uni. Kote gouvernement nan Royaume-Uni vote loi anti-teroris ki puni tout aksyon nan bay l'ajan pou libere moun yo kidnappe. Premier fwa ap kenbe Ameriken an otaj, se te en 1979 nan peyi Iran. Kote 400 etudyan iranien pran ambasade Ameriken nan an otaj epi ferme 52 Ameriken. An pil la dan yo te libere apre 1 an, 2 mwa. A koz iranien yo te reboche Etats-Unis, li fure bouche li nan zafè yo trop. Koze sa tapal mette Iran ak Etats-Unis dos a dos. Manifestasyon fèt Etats-Unis, kote Ameriken ap mande pou yo mette de yo 60,000 iranien ki te sou sol Ameriken. Etats-Unis koupe tout relasyon ak Iran. Yo mette embargo sou Iran nan tout nivou. Kom politik Ameriken se deploye fòs li lè ou pran ou moun li an otaj, Ebyen, Etats-Unis ta pral mete yon operasyon sou pye pou al pran Ameriken yo an Iran. Operasyon an echoue. 8 soldat Ameriken perdi la vi yo nan operasyon sa. Se Iran an 1981 ki te deside lage Ameriken yo pou rezon politik et tout istwa sa yo. Donk nou wè, otaj yo pa mouri. Bon bon yon dat ki pi resan. An Oktob 2020, nan peyi Niger, yon goup rebel kidnape Philip Walton ki se yon Ameriken. Yon mande l'ajan pou yon libere sitwayen. Kom nou kon politik la deja, Ameriken pap bay l'ajan. Ebyen, 31 Oktob 2020, l'ami Ameriken nan paret li deploye fos li libere Ameriken. Donald Trump fè tweet, debouche champagne, li di gwo viktwa pou fos spesyal nou yo. Fòk mwen di nou, de ekzanp sa yo se te rar fwa Ameriken sorti vivan, lè yo kidnape yo. Paske se ak fòs Ameriken toujou vle pran yo, men yo kon pase mal souvan. Mbral ba nou ekzamp. An mai 2001, nan peyi Filipin, yon goup rebel kidnape 2 misyoner Ameriken. Martin Bonham ak tout madame li, epi ak 18 lot moun. An janvye 2002, 1000 soldat Ameriken debake Filipin pou al kombat goup rebel la, pou libere moun yo. Mwa ap pase, manev ap fèt. En juin 2002, opération a lancé. Coup de zam sou rebel yo pou yo pran otaj yo. Rapid vite, rebel yo mete yon bal nan tèt Martin dwat. Le revin konprann, l'ami Ameriken la, tout l'ami Filipin nan ap mache sou yo pou pran yo. Eh bien, Martin Bonham mouri nan opération, madame li soti vivan, men li te blese en pil. 16 janvier 2002, Daniel Peel ki te yon journaliste Ameriken ale Pakistan pou l'al fè yon enquête. 23 janvier 2002, Bonnet yon goup teroris kidnappe Daniel Peel devan hotel li. Mesye yo di Peel se yon espion Ameriken. Bon, ki te ka toujou vre, paske espion pa make nan visaj Ameriken ak Rus, ki pa minasyon ki pi bon nan espion le peyi. Mesye yo voye mesaj ba Etats-Unis yo di Bush, wap lage prizonye Pakistanè ou gen nan men yo.
ou ba nou l'argent et puis ou vann gouvernement pakistanais F16. Nou konn sa F16 a, s'il vous plaît. Un avion de combat tête chargée qui ka fè attaque sous terre, qui ka fè attaque en l'air n'importe côté ou yé ou pran frappe. Qui donc selon théoricien, c'est condition ça yo ka permet États-Unis joindre Daniel Peel vivant. Politique États-Unis, nous pas négocier avec terroristes. Monsieur dit OK. 6 jours après, devant caméra, ils ont décapité Daniel Peel. Vidéo sur tout internet là, Daniel Peel mourit. 22 novembre 2012 en Syrie, groupe État islamique kidnappé James Foley, qui était un journaliste américain. D'après média Foley tap travail pour l'IA, théoriciens ont demandé 100 millions de dollars américains pour libérer. États-Unis dit jamais pas de négociation avec terroristes. En 2014, Force spéciale américaine fait une opération pour libérer James Foley. Opération échouée. Yo te fermé James Foley avec l'autre monde yo te kidnappé qui ont été libéré après. Pour James Foley, les théories sont venues comprendre États-Unis pas payé en 2014 dans une vidéo, yo filmé, yo passé couteau en bakou James Foley tant coup poule. En 2013, djihadiste prend Peter Kasig en Syrie qui était un travailleur humanitaire américain. Dans la logique pour pas négocier avec terroristes, Américains mené une opération commando pour libérer Kasig. Mouette. En novembre 2014, monsieur yo décapité Peter Kasig, là on vient comprendre ces manœuvres américaines fait pour venir chercher Kasig. Dans l'année 2013 toujours, groupe État islamique mettait main sous Luc Somers, dans pays Yémen qui était un photojournaliste américain. Yo présenté Somers dans une vidéo côté du gouvernement américain, nous gagne 3 jours pour nous banou tout ça nous besoin. Dans même souci pour pas négocier avec terroristes, Barack Obama bail autorisation en 2014 pour Pentagone lancer une opération pour aller sauver Somers. 4 décembre 2014, force spéciale américaine bombardé une région qui ont identifié comme quoi terroristes étaient cachés Somers là-dedans. Coup de zame mette pied ak djihadiste yo. Le yon train de yon kay yo jwenn Somers qui te blessé en pile. Malheureusement, Somers pas sauvé, li mouri avant même li te rentré l'hôpital. Yon dernier exemple. Steven Sotloff, journaliste américain, allé en Syrie en 2013. Monsieur État islamique yo mette men sou li 19 août 2014. Monsieur yo publie yon ti vidéo qui pote titre yon ti message pour l'Amérique. Kote yon tap décapité James Foley. Dans la vidéo, yo di Barack Obama, mais sa captain l'autre américain nous kidnappé si ou pas agi rapide. Quelques jours après, États-Unis vide plus passer 14 missiles sous région côté monsieur Sao fait base yo. Monsieur dit bien OK. 2 septembre 2014, yo montre dans une vidéo côté yo exécuter Sotloff et puis dans même vidéo ça, yo montre prochain moun yo pral massacrer. Barack Obama fait un discours rapide pour le dire, li pap kite teori sa yo intimide. C'est deux situations qui vraiment compliquées. Exemple sa yo ka permet ou gen yon ti idée sou ki jan américain agi en pile fois nan question kidnapping. Et nous ka wè nan exemple yo, intervention pour libérer otage yo, c'est pas bagay ki fait nan 2-3 jours. En pile fois, ça mande en pile planification. Faut qu'on travaille avec gouvernement pays à côté au kembe otage là, faut qu'on gen bon jan donné pour qu'a prendre décision. Donc, li pas simple. Et surtout, le on a fait ak citoyen américain dans jan de dossier sa yo. Pour moment là, officiellement, c'est bureau fédéral américain qui nan causé enquête. Nous connaissons sous nom FBI. Ak département d'état qui nan pays a sous dossier parce que faut qu'yo gen donné avant tout. Mais n'ap di dou pays États-Unis pas négliger possibilité pour faire intervention militaire pour vinn prendre otage. Est-ce qu'il fait déjà journal étranger par konnen? Est-ce qu'yo bay l'argent? C'est gros point d'interrogation ou ka mette devant question ça. Mais n'ap di tout États-Unis pas négocier l'argent mais négocier l'autre bagaille. Ça arrivait déjà, ils ont libéré plusieurs soldats afghans qui étaient fermés à Guantanamo pour qu'ils aient joué nos soldats et qu'ils aient mis en otage.